Bonjour, aujourd'hui je vous propose des madeleines faciles et rapides. Pour le faire, il va vous falloir 100 g de beurre, 8 g de levure, 150 g de sucre, 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger, 3 œufs, 50 ml de lait et 200 g de farine. On va commencer par faire fondre le beurre. Voilà. Un petit récapitulatif. J'ai mes petits cœurs pour m'aider. Regardez comme ils sont beaux. Donc, dans un saladier, nous allons mettre les 3 œufs et la totalité du sucre. Et nous allons blanchir. Donc, nous allons tourner assez le sucre et les œufs pour que ça blanchisse bien. Donc, ils adorent ça, faire la cuisine. Alors, voilà, donc là, ça a blanchi. Nous allons y rajouter la fleur d'oranger, les 2 cuillères à soupe. On tourne. Nous allons y rajouter 40 ml de lait, les 10 autres. On attendra la fin de la recette pour les mettre dedans. Donc, on tourne bien. Progressivement, nous allons mettre la farine. Oui, c'est pas facile. Voilà, donc la farine a été intégralement incorporée. Nous mettons le restant du lait. Nous tournons et nous allons mettre le beurre dans la pâte avant de la laisser reposer pendant 15 minutes. Donc on tourne et on la laisse reposer 15 minutes avant de s'en servir. Pendant ce temps, nous allons beurrer et fariner les plats, que ce soit en silicone ou que ce soit en plaque comme moi. Alors le mieux, c'est quand même le silicone. C'est quand même beaucoup plus facile à enlever. Donc là, quand la pâte a bien reposé, nous allons pouvoir mettre à 3/4 de pâte dans les moules. Alors je dis bien 3/4 parce que sinon ça déborde. Ça a une tendance à gonfler les madeleines. Donc 3/4, on fait tout. Hop, on met juste un petit peu, une petite noisette dedans. Voilà. Donc quand c'est prêt, nous allons mettre à cuire pendant 15 minutes dans un four qui a préchauffé à 240 degrés. On le baisse à 200 degrés et on les laisse cuire 15 minutes. 15 minutes plus tard, nos madeleines, faut les démouler directement. Donc à chaud, vous les démoulez. Et voilà une assiette de grosses madeleines. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt. Partagez.